Aïe aïe aïe, 44 c'est. Aïe. Je suis la voix de tous ceux qui ont les larmes aux yeux et qui n'ont plus le goût de la vie. Victime de nos rêves brisés, pourtant ceci est un crime contre l'humanité. Mais jamais te puni par la loi, parce que tous ceux qui commettent tous ces crimes horribles, ce sont eux-mêmes qui décident la loi. C'est pourquoi ils nous ignorent dans l'agonie et leurs crimes ne sont jamais punis. À cause des titres, leurs costumes, cravates, ils se croient au-dessus de la loi et se prennent pour Lucifer sur terre, sans aucune compassion pour l'humanité. La vie d'autrui n'a aucun prix à leurs yeux. Si vous ne me croyez pas, mais demandez-moi et je vous raconterai ce qu'ils m'ont fait subir dans leur prison qu'ils appellent s'enfermer. Lorsqu'ils m'ont mis au cachot de Merck Place et m'ont transféré au cachot de 123 bis, dont les prisonniers condamnés pour leurs crimes étaient bien traités que nous dans les centres fermés. Je ne vous jure pas parce que je ne mens pas, car je suis la voix de ce que vous ne voyez pas. La souffrance dans les camps de réfugiés, entourés, séquestrés par des barbelés, humiliés par la galère et la misère, parce qu'ils veulent pas nous accueillir chez eux. À cause de notre différence de couleur et à cause de notre opinion religieuse, ils s'obstinent de s'accorder au pacte mondial pour l'immigration sûre et régulière. Et ce qu'ils prétendent pour la solution au problème de l'immigration, c'est de violer, voler et tuer, bafouer, clocheter, mutiler le droit des immigrants nous confrontant à la répression, aux arrestations, à l'exploitation, à l'humiliation, à la violence, au trafic d'êtres humains, à l'enfermement dans les enfermés. Pourtant, c'est ça même le problème de l'immigration, car c'est une véritable prison pour ceux qui n'ont commis aucun délit, mais à la recherche d'une vie meilleure. Ils sont allés au périple de leur vie. Ils ont traversé d'abord le désert et traversé la Méditerranée. S'ils sont survécu sur le rivage, c'est qu'ils sont actuellement dans les centres fermés, emprisonnés pour avoir voyagé, condamnés pour des jours indéterminés, pour les éloigner de gré ou de force. Et tu les ont pas convoyés aux centres fermés, c'est qu'ils sont toujours en train de cavaler dans la drogue et la prostitution. Mais ce qu'ils souhaitent pour nous les sans-papiers, c'est qu'ils nous voient tous crever dans la rue, abattus par la police et la famine, puisqu'ils préfèrent que nous restons chez nous. Mais nous n'avons pas le choix de rester chez nous. Combien de corps il faut-il encore? Mais combien de corps vous en voulez encore? Mais combien de corps il faut-il encore? Mais combien de corps vous en voulez encore? Pour que vous soyez tous d'accord et libérez les immigrants. Sinon je ne suis pas d'accord si vous n'accordez pas votre aide aux immigrants. Combien de corps il faut-il encore? Mais combien de corps vous en voulez encore? Mais combien de corps il faut-il encore? Mais combien de corps vous en voulez encore? Pour que vous soyez tous d'accord et libérez les immigrants. Sinon je ne suis pas d'accord si vous n'accordez pas votre aide aux immigrants. Combien de corps ont subi l'esclavage à l'étranger? Combien de corps ont rêvé de soif dans le désert? Combien de corps se sont noyés dans la Méditerranée? Combien de corps sont tombés dans le piège de sans-papiers? Combien de corps se sont suicidés dans les centres fermés? Combien de corps ont fait la grève de faim pour les papiers? Combien de corps ont été des victimes de la police? Combien de corps sans vie ont ramassé sur le trottoir?